T'es contente, grand-mère? Ils sont bons? Oh oui, ils sont délicieux, vrai régal. Je ne me rassasie pas. J'en suis à mon 135e pain. Et moi, j'en ai déjà mangé 230. Eh bien, je vais y goûter moi aussi. Mademoiselle Adélaïde! Bonjour, Tinette. Évitez de vous mettre en retard ce matin. Mademoiselle Rougemont est encore dans un de ses mauvais jours. Depuis votre fuite de l'autre soir, rien ne va plus dans cette maison. Et le pire, croyez-moi, dans cette histoire, c'est qu'elle s'en prend au domestique. Oh. C'est une vraie peste, cet enfant. Vous ne pouvez pas vous imaginer tous les mauvais coups qu'elle nous a fait, cher monsieur Auger. Je n'arrive pas à la comprendre. De toute évidence, la petite a un esprit bien dérangé, croyez-moi. Voilà, tenez. Alors, qu'en pensez-vous? C'est-à-dire que j'avoue que son comportement paraît des plus étranges à certains moments. Par contre, elle me semble parfaitement normale la plupart du temps, ou presque. En admettant que nous la soumettions progressivement à une thérapie appropriée, il ne devrait pas être difficile de lui faire retrouver une conduite plus raisonnable. Chose certaine, vous en conviendrez, cet enfant est par trop singulière. Si vous voulez mon avis, en tant que professeur, et je m'y connais très bien, j'estime que pour le moment présent, la vraie difficulté réside surtout dans sa totale inaptitude à apprendre l'alphabet. Pauvre monsieur Auger, il n'y a plus de doute, Adélaïde ne rattrapera jamais son retard. Je crains même qu'elle ne puisse jamais rien apprendre, ne serait-ce que l'alphabet, ce qui est élémentaire. Oh, qu'allons-nous faire, dites-moi? Écoutez, mademoiselle... Il faut cesser de vous tourmenter. Vous allez vous rendre malade. Le mieux, je crois, c'est de lui laisser un peu de temps. Vous avez sans doute raison. Oh, je reconnais que c'est de ma faute. J'étais trop bonne pour elle. Je l'ai beaucoup trop gâtée. J'aurais dû sévir dès la première de ces folles incartades. Qu'est-ce que vous avez? Ça ne peut plus continuer. Il faut que nous y mettions bon ordre tous les deux. Oui, enfin, peut-être, je veux dire... O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z. Parfait, c'est beaucoup mieux, vous êtes en progrès. Maintenant, prenons notre livre. Cette fois, je ne vous aide pas, vous allez épeler les lettres toutes seules. Voyons un peu celle-ci. Dites-moi laquelle est-ce. A. C'est très bien. Maintenant, à celle-ci. B. Bravo. Je suis très content. Vous voyez comme c'est facile. Continuons avec celle-ci. Z. X. P. Voilà le P. C'est celle-là qui est le Z. Et le X est ici. Je crains que vous ne les confondiez entre elles. Passons à l'écriture maintenant. Examinez ces lettres bien attentivement et reproduisez-les dans votre cahier. J'ai fini. Faites voir un peu ce cahier. Oui, c'est parfait. Vous avez une très bonne écriture. V. V. Mademoiselle Claire, nous allons reprendre notre étude de défraction. Oh! Tiens, une lettre qui ressemble à une chèvre. C'est vrai, c'est tout à fait ça. Comment est-ce qu'on la prononce déjà, cette lettre? Oh! Et celle-ci, on dirait le roi au grand com quand il court.
La leçon est terminée. Je suis heureux de constater que vous avez fait de grands progrès et j'en suis très satisfait. Hein? Au revoir, à bientôt! Oh! 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 Mais qu'y a-t-il, mademoiselle Rougemont? Mais répondez-moi, voyons, mademoiselle Rougemont! Heidi! Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tu rêvais tout éveillé. Tu pensais à tes montagnes, sans doute. Oui, les lettres se changeaient en chèvres et en bouquetins. Oh, tu aurais dû les voir voler. Oh. Vous voyez quand je vous dis que cet enfant n'est pas du tout normal. Un télégramme pour vous, mademoiselle Rougemont. C'est un télégramme de Monsieur Gérard. Il m'écrit pour m'informer de son arrivée, mademoiselle. Comment, papa? Oh, quelle bonne nouvelle! Est-ce qu'il dit quand il arrivera? Votre père sera là dès demain matin. Demain matin? Mais c'est formidable! Oh, que je suis heureuse! Je dois prendre des dispositions sans tarder. Veuillez m'excuser, Monsieur Auger. Mais je vous en prie, mademoiselle. Tu sais, Heidi, papa voyage sur de grands bateaux. Il se déplace beaucoup pour ses affaires. Il achète et il vend à l'étranger. Ah? Même s'il est très occupé, cela ne veut pas dire qu'il ne pense pas à moi. La preuve, quand il revient, il me rapporte toujours des cadeaux. Il t'apporte des cadeaux? Oui, de toutes sortes. Ce qui ne m'empêche pas d'être vite déçue. Il est à peine arrivé qu'il faut qu'il reparte. Comme j'aimerais qu'il passe plus de temps à la maison. Mais c'est toujours la même chose. Chaque fois que papa revient, il me promet de rester au moins un mois ici. Mais ses affaires l'obligent toujours à me quitter moins de 15 jours après. La dernière fois, c'était pire encore. Dès le lendemain de son arrivée, il a reçu un télégramme et 3 jours après, il était de nouveau parti. Il n'est resté que 3 jours. Dis-moi, Claire. Est-ce qu'il t'aime vraiment, ton père? Est-ce que t'en es certaine? Hein? Oh, mais qu'est-ce que tu vas imaginer? Bien sûr qu'il m'aime. Ah bon? Et comment le sais-tu? Eh bien, parce qu'il me le dit. Il me le répète chaque fois qu'il revient à la maison. Il me donne des cadeaux. Et puis... En réalité, la vérité est que je l'aime. Je l'aime de tout mon cœur, profondément. Et je sens que tout l'amour que je lui porte, il me le rend bien, c'est tout. C'est vrai? Alors, t'as raison. Il t'aime. Oh, je suis contente pour toi. Tinette! Tinette, où êtes-vous? Je suis là, mademoiselle Rougemont. Voyez un peu ces rebords de fenêtres, ils sont d'une saleté repoussante. Je sais, mademoiselle. Mais c'est vous-même qui m'avez dit de commencer le ménage par la chambre de Monsieur Gérard. Dois-je m'arrêter et faire les fenêtres en premier? Non, c'est moins important, elles peuvent attendre. Faites d'abord la chambre. Bien, mademoiselle. Vous avez pensé aux draps? Oui, mademoiselle, je les ai déjà changés. Tout remettre en ordre en si peu de temps, il aurait dû nous avertir plus tôt de son arrivée. Monsieur Gérard pourrait nous montrer un peu plus d'égard. J'oubliais. Adélaïde. Avec une telle peste, on n'est jamais assez prudent. Dieu seul sait ce que M. Gérard pourrait bien trouver chez elle. Tout me semble en ordre, ma foi. Bon, me voilà rassurée.
La petite peste. Oh, des pains rassis. Oh, oh. Il faut le voir pour le croire. Oh, oh, oh. Tinette! Oh, Tinette! Tinette, venez vite! Tinette! Tinette, venez voir cet incroyable! Qu'est-ce qui t'arrive, Heidi? Ça ne va pas? Nettoyez-moi cela tout de suite. Cet enfant est vraiment folle alliée. Oh. Je vous défends de les prendre. Ils sont à moi. Vous n'avez pas le droit. Lâchez-moi, non. Oh, oh, peux-tu me lâcher? Allez, vite, jetez-les! Non! Obéissez, Tinette! Jetez-les tous! Non, Tinette, attendez, ne les jetez pas! Tinette, les jetez pas! Ne faites pas cela, mademoiselle Rougemont, je vous en prie, s'il vous plaît! Vous rendez-vous compte qu'elle cachait des pains moisis dans son placard? Quelle folie t'est encore passée par la tête! Je ne manquerai pas d'en aviser Monsieur Girard dès son retour demain matin! En tout cas, tu mérites d'être puni, je m'en remets à lui pour régler l'affaire, tu ne perds rien pour attendre, va! Je vous en prie, rendez-moi les peines, grand-mère! Heidi, attends, veux-tu? Il n'était plus bon à manger, de toute façon. Hein? Oui, c'est ce que je voulais t'expliquer. Il n'était plus bon. Tu sais, depuis le temps que tu les gardais, ils devaient être assis. Grand-mère n'aurait jamais pu les manger. Ils auraient été pires encore d'ici à ce que tu retournes chez toi. Qu'est-ce que tu dis? Vraiment, ils étaient trop durs pour grand-mère? Heidi, ne pleure pas comme ça. Je ne voulais pas te faire de peine, tu sais. Quand tu repartiras à la montagne, retrouver ton grand-père et tes chèvres, je te promets de te donner autant de petits pains que tu voudras. Plus que tu pourras en emporter, et ceux-là seront tout frais. Quand je repartirai chez grand-père? Mais oui! Tu n'as plus besoin d'en cacher, puisque je te dis que je t'en donnerai des frais quand tu repartiras. Je veillerai à ce que mademoiselle Rougemont reçoive les instructions qu'il faut à ce sujet. Je te le promets. Heidi! Mais qu'est-ce qu'il y a encore, Heidi? Et je ne peux rien faire dans cette maison. Personne ne veut m'écouter. Et si l'autre jour j'ai voulu partir, j'ai même pas pu. Miaou qu'on aimait ça toutes les deux, ils nous l'ont enlevé. Notre seul ami ne t'obéisse même pas. Comment veux-tu que je m'en aille chez moi? Ils ne me laisseront jamais partir, tu le sais bien. Je ne pourrai jamais partir. Ne pleure pas, Heidi. Tu sais bien que ça me fait de la peine de devoir pleurer. Je ne veux pas que tu sois triste. Viens dans ma chambre regarder des images. On va s'amuser toutes les deux. Allez, viens jouer avec moi. Et puis tu sais, mes images, si elles te plaisent, je te les donne. Allons, Heidi, console-toi. Écoute, je vais te laisser jouer avec mes poupées aussi longtemps que tu voudras. Mais je t'en prie, cesse de pleurer. Heidi, réponds-moi. Heidi, je connais une histoire passionnante sur les chèvres. Est-ce que tu veux que je te la raconte? Tu verras, c'est une histoire vraiment intéressante. Il était une fois une maman chèvre qui avait une grande famille de 7 chevreaux, tous plus mignons les uns que les autres. Un jour, la maman chèvre rassembla ses enfants autour d'elle et elle leur dit: j'ai à sortir, il faut absolument que j'aille dans la forêt. Prenez bien garde au loup. Surtout, n'ouvrez à personne d'autre que moi. Si par malheur le loup entrait dans cette maison, il vous mangerait tous. Les enfants lui promirent d'être bien prudents. La maman chèvre était à peine partie qu'on frappait déjà à la porte. Ouvrez-moi vite, cher petit, je suis de retour. Ouvrez, c'est votre maman. J'ai pour vous tout plein de jolis cadeaux dans mon sac. Mouh!
Mais les petits savaient bien que c'était le loup. Ils reconnaissaient sa voix rauque et voyaient ses pattes noires par la fenêtre. Ils savaient qu'il ne fallait pas ouvrir. Mais le loup ne s'avoua pas vaincu pour autant. Il revint un peu plus tard après avoir mangé beaucoup de miel pour adoucir sa grosse voix rauque et s'être recouvert les quatre pattes de farine blanche. Ouvrez-moi, c'est maman. Je vous apporte de nombreux cadeaux. C'est bien la voix de maman, dirent les chevreaux. Si tu es bien notre maman, prouve-le et montre tes pattes. Le loup rusé leur fit voir ses pattes que la farine avait blanchies. Il les glissa sous la porte. Hurrah ! C'est bien elle, c'est bien notre maman. Oui, c'est bien moi. Ils ouvrent la porte et... Oh ! Le loup se précipita sur eux et avant qu'ils n'aient eu le temps de s'enfuir, il les dévora les uns après les autres n'en faisant qu'une bouchée. Oh ! Après un tel festin, ils se sentaient plus rassasiés. L'estomac gonflé, ils partirent en titubant. Tu m'écoutes, Heidi ? Peu de temps après, quand elle revint, la maman trouva la maison vide. Elle se mit à appeler ses enfants tour à tour, mais aucun d'entre eux ne lui répondit. Elle était folle d'inquiétude. Au fur et à mesure qu'elle appelait ses petits, une peur affreuse la gagnait. Enfin, elle appela le plus jeune de ses chevreaux. C'est alors qu'une voix sortit de l'horloge et lui dit « Maman, ouvre-moi, je suis cachée dans la pendule !» Pauvre petit chevreau, il était le seul que le loup n'avait pas vu. Apeuré, il raconta comment le loup les avait trompés et de quelle façon il avait mangé tous ses frères. Maman chèvre et son petit sortirent de la maison en pleurant. Quand ils arrivèrent auprès, ils aperçurent le loup. Celui-ci digérait en ronflant allongé dans l'herbe. Ils s'approchèrent. Ils s'approchèrent encore. Ils le regardèrent dormir et surtout examinèrent son gros ventre. Son ventre tout rond. Ensuite, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qu'il avait son ventre? Raconte! Son ventre? Eh bien, il voyait le ventre du loup qui tressautait. Son ventre n'arrêtait pas de tressauter. Alors la maman courut vite à la maison chercher une grande paire de ciseaux et elle se mit à ouvrir le ventre du loup. Tipoti, 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 hop là! Tipoti, 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 hop là! Hop là! Hop là! Hop là! Hop là! Hop là! Contents de se retrouver, ils regagnèrent la maison. Quant au loup, il ne se réveilla plus jamais. La belle histoire. Voilà, elle est terminée. Hein? C'est drôle ton histoire, c'est curieux. Les mamans chèvres, elles n'ont jamais sept enfants, voyons Claire. Elles ont un ou deux petits à la fois, jamais plus. Un ou deux? Eh bien, tes chèvres peut-être, mais dans l'histoire, il y en a sept. Mmh. Je voudrais te demander, puisque tu es consolée maintenant, viendrais-tu jouer dans ma chambre? Je viens.